travail à commande numérique, comme vous voyez au fond. Contrôle, hein, voir qu'on a bien respecté tous les codes, que notre pièce est exactement telle qu'on l'a conçue. Quand on est en projet avec eux, je suis en projet en deuxième année avec eux et après, on les reçoit dans nos bureaux et on leur dit voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Poursuite d'études, insertion professionnelle, quel est votre projet professionnel? Vous envisagez quoi? Les étudiants présents, ils ont leur diplôme parce que comme ils sont présents, ben forcément ils écoutent, ils s'appliquent. C'est-à-dire que les compétences, au lieu d'être validées, sont validées. La première année d'inscription dans l'enseignement supérieur, vous renouveliez votre carte région, ça va vous donner 100 euros pour pouvoir vous acheter des choses liées donc, au monde universitaire. Samedi matin, c'était un autre. Ouais, il y a 8 emplois du temps différents. Donc, c'est beaucoup de chance que ce soit un jour samedi. Par contre, on n'a jamais pour le jeudi après-midi. Là, c'est des photos où ils sont sur leur ordinateur personnel, mais il y en a qui sont dans les salles classiques de travaux pratiques. En général, ils sont entre 130 et 150, avec des classes de 25 à 30. Il y a peut-être celui de cette semaine qui se finit, et là, c'est celui de la semaine prochaine. Bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change, oui, ça change tout mais de temps en temps... Voilà. Après, vous êtes tous dans les études longues, donc c'est... Donc c'est pas, ça sera, oui, mais ça changera, c'est juste que vous faites vos deux temps en 3 ans. Mais c'est plus orienté pour les gens qui veulent travailler après. Mais oui, il y a aussi cette possibilité pour après être long, comme je disais, voilà. 2 heures avec moi et 1 heure avec un autre enseignant, en fait. Donc ça leur permet en plus d'avoir plusieurs enseignants, ce qui est pas mal. Ils n'ont pas toujours la même personne devant eux, donc des méthodes différentes. Pont-Aulnay, Sotteville, Caen, La Flèche, Neuchâtel, Mayenne, bon ça c'est pas une ville mais c'est pas grave, Pont-Aulnay, Déville, Yvetot, je sais pas, Dreux, Rouen, Fécamp, Chartres, Neuchâtel, Fécamp.